le conseil municipal de ce soir, il va y avoir donc un avis consultatif de la mairie. Donc on ne se fait pas trop d'illusions, a priori il y aura un avis favorable, mais par contre ce qui nous préoccupe le plus, c'est qu'il y ait du monde, parce que c'est quand même pas une décision qui est municipale, c'est un avis préfectoral, et donc une mobilisation du plus de monde possible, ben, c'est très important. Ça permet ben, d'influencer positivement les communes autour, la préfecture, etc. Donc merci d'être aussi nombreux, c'est super, merci à vous, et puis de rendez-vous pour l'instant devant la mairie. Merci. On est un collectif d'habitants, essentiellement de la vie de Dieu. On a quelques soutiens en dehors, mais la plupart sont de la vie de Dieu. Donc on a décidé d'appeler notre collectif, le collectif pour la protection du plateau des Gras de la vie de Dieu. Et on a créé ce collectif bien, par rapport à la création, en tout cas un projet d'exploitation d'une centrale à bitume à chaud dans la zone industrielle à côté de la carrière. On espère que de par la mobilisation et le nombre des personnes qui se manifestent, eh bien on espère qu'on va pouvoir faire tomber à l'eau ce projet, c'est vraiment notre objectif. Mais on ne connaît pas la fin, par contre on connaît le début. En fait, et le début, ça a été plutôt par hasard, parce que dans ce genre de projet, comme souvent, il y a une chape de silence, c'est-à-dire que on ne sait pas, et c'est pratiquement par hasard qu'on a vu ce projet. Et la première prise de parole, donc, ça va être par la personne qui a vu sur un panneau d'affichage ce projet, qui va nous expliquer ben, qu'est-ce qu'il a interpellé. Et donc c'est également Odile qui fait la batucada, donc merci à elle, et bravo pour commencer la prise de parole. Merci à toi. Alors j'habite le canton depuis 30 ans et je suis revenue vivre à la ville de Dieu depuis 6 ans au quartier Le Barry, donc en bas. Et depuis 6 ans, ma santé s'est dégradée, au point de subir une intervention assez importante en 2015. Depuis, ça va un peu mieux. Mais je subis toujours l'influence du trafic routier, les gaz d'échappement, le bruit, jour et nuit, dès que j'ouvre une fenêtre. J'ajouterais qu'il n'y a pas besoin qu'une fumée soit noire pour être dangereuse et que ces conditions sont semblables à celles d'un centre-ville d'une grande agglomération. Ce qui me rend triste, c'est lorsque je réponds à cette question où tu habites, où habites-tu ? Quand on pose cette question et qu'on me répond et t'as pas trouvé mieux, là je trouve ça triste pour l'endroit où je vis, quoi. Et pas du tout moi-même. Alors la présentation de comment ce collectif est né, bah, c'est très simple. Lorsque je passe devant la mairie ou devant les panneaux lumineux, le panneau lumineux tout feu à l'entrée du village, je lis toujours les publications affichées. C'est ainsi qu'est né ce collectif d'habitants, pardon, je lis tout ce que j'écris. J'avais lu l'avis de consultation publique qui était attaché au panneau municipal et qui était également présent sur le panneau lumineux à côté des feux. Et cet avis de consultation publique était ouvert du 22 juin au 31 juillet. Et quelques jours plus tard, une rencontre informelle, par le fait du hasard, une rencontre informelle du mouvement Nous voulons des coquelicots était organisée sur la place pour boire un pot, pour se connaître, pour faire connaissance, but je pense premier de ce genre d'initiative, et pour parler évidemment, Nous voulons des coquelicots, des problèmes liés à l'environnement. Et à cette occasion, au débat de vue, j'ai demandé à ceux qui étaient là s'ils avaient lu ce que j'avais moi-même lu sur ce panneau d'affichage, et j'ai demandé pourquoi il y avait cette consultation, parce que j'étais complètement, je connaissais rien du tout, hein. C'est tout, ça m'interpellait, mais j'en savais pas plus. Et donc ce collectif est né de cette question posée à ce moment-là,
autour de verres de jus de fruits. Et c'est ainsi qu'est né ce collectif à partir de la poignée de personnes qui étaient là. J'ajouterai qu'il n'était pas question politique, mais simplement de questions d'environnement, de santé, de cadre de vie et des enfants pour les gens qui étaient autour de ces tables. Pour ma part, j'ai voulu vérifier sur Wikipédia ce qu'était une consultation publique. J'y ai lu que ce principe démocratique date de la fin du 19e siècle et qu'actuellement, il est organisé de manière formelle, mais qu'il s'agit plus d'une démocratie d'opérette, qu'une véritable prise en compte de l'avis d'une population dans la majorité des cas où ont lieu ces consultations. Ainsi, j'ai découvert que pour ce village de 2122 habitants en 2017, la commune ne comptait pas moins de 17 installations classées, dont 13 sur le plateau des Gras. Donc il n'y a pas que des cabinets, il n'y a pas que des artisans, il y a aussi des grosses machines quoi, là-haut. J'ai découvert qu'il ne s'agissait pas non seulement de remplacer un équipement obsolète, une centrale d'enrobée à froid pour une plus moderne, parce qu'il existait déjà une société concurrente qui a installé une centrale d'enrobée à chaud dans la montée des Combes, un peu plus bas, dans les années 90. J'ai donc réalisé qu'il s'agissait plutôt d'une concurrence entre ces deux entreprises qui veulent jouer à qui a la plus grosse, en quelque sorte. J'ai découvert également par le documentaire d'Envoyé spécial le manque de transparence de ce milieu industriel et sa dangerosité pour la santé des populations. Du coup, je me suis demandé si la Ville-Dieu n'allait pas devenir la poubelle du Sud Ardèche et de toute une région. Mes conclusions, j'ai donc lancé l'alerte à la suite de cet avis de consultation publique. Car comme je le disais, nous ne voulons pas d'une démocratie d'opérette. Il faut à présent que nous exigions des comptes sur les décisions qui sont en train d'être prises. La population de la Ville-Dieu n'a pas à subir la guéguerre d'entreprises qui se moquent complètement de la population, de sa santé, de la valeur de ses biens mobiliers, de ses personnes, encore moins de l'environnement. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt dans la Ville-Dieu. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est donner la parole à Lionel. Alors, Lionel, il faut savoir, c'est quelqu'un qui, lui aussi, est très investi dans le village, qui a animé le collectif pour la Ville-Dieu avec d'autres personnes, mais en tout cas, il a été bien acteur du collectif contre le gaz de schiste. Merci, Lionel. Merci. Bonsoir. Merci et bonsoir à tous d'être venus. Bonsoir à ceux avec qui nous avons combattu les gaz de schiste. Bonsoir, plus particulièrement à ceux qui sont descendus sur les ronds-points pour manifester leur opposition. Eh bien, il se trouve que, encore une fois, comme pour les gaz de schiste, on nous a dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Une centrale d'enrobage à chaud, bon, c'est quand même, il faut le savoir, 160 tonnes de bitume à l'heure. C'est des centaines de camions supplémentaires sur les routes de nos villages. C'est enfin des tonnes de produits toxiques, inflammables et explosifs stockés à proximité de nos habitations. Alors non seulement on a vu, mais même regardé. Et comme on a regardé, on nous a dit « Ah mais attention, cette usine, elle est au nord. » AZF, Lubrizol, Lafarge, Auteuil, plus près de nous, les stockages de nitrate d'ammonium à Gersas, qui est en train de se passer au Puy de Dôme, à l'usine Veolia qui prend feu, à La Réunion, avec la marée noire qui se prépare. J'arrête ici parce qu'on n'aurait pas le temps d'énumérer tous les accidents industriels. Et bien aujourd'hui, le combat, c'est le même que contre les gaz de schiste. Pourquoi ? Parce que sur le fond, c'est un empilement de risques industriels à proximité de nos maisons, risque de pollution, risque d'incendie, pour lesquels on ne nous a pas demandé notre avis. Sur la forme, encore une fois, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et si ça vous intéresse, tout est au nord. Il faut savoir qu'on a déjà, proche d'ici, deux centrales d'enrobage, une à chaud et une à froid. Eh bien, si on laisse s'installer cette usine d'enrobage, on ne pourra pas s'opposer à terme
à l'exploitation des gaz de schiste, parce que les industriels auront beau jeu de nous dire « Mais, messieurs, dames, vous produisez déjà des tonnes de bitume. Pourquoi ne pas alimenter ces usines en gaz de schiste produit sur place ? Ça vous économiserait au moins le transport. » Mais si nous sommes là ce soir, c'est pour leur répondre que nous n'avons pas l'ambition pour nos villages de devenir super producteurs de bitume, ni de gaz de schiste, ni d'hydrocarbures. Franchement, qui ici rêve pour son village d'une centrale à bitume ? Quelle famille rêverait d'acheter une maison à proximité d'une usine d'hydrocarbures ? Quel touriste rêverait de descendre les gorges du bitume ? Soyons force de proposition et restons mobilisés. Merci. Maintenant, ce que nous allons vous proposer, c'est une petite intervention de Carla qui va plutôt nous parler de santé, parce qu'en plus, c'est une préoccupation de tous les jours. Donc, Carla, si tu veux venir t'exprimer. Merci, Carla. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis hyper contente de vous voir tous là ce soir. Alors moi je voulais parler de la santé parce que c'est sûr que le projet en cours, il a différents points d'accroche sur lesquels on s'est basé pour dire non, on n'en veut pas. Moi j'aurais envie de parler de la santé parce que c'est d'abord un sujet qui me touche personnellement. Et je vois que de toute manière, vu le nombre de personnes qui portent des masques, ces jours-ci, ça a touché beaucoup d'autres personnes. C'est-à-dire que même quelque chose qui est invisible peut nous intoxiquer, peut nous rendre malades. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce soit l'air que nous respirons, et Dieu sait qu'on en a besoin, que ce soit ce que nous ingérons en termes d'alimentation, et Dieu sait qu'on en a besoin, est aussi un problème. Dieu sait que... ce que nous respirons, et là, avec l'usine qui s'amorce, on va s'attendre à quelque chose de pas sympa du tout. Mais en même temps, il ne suffit pas de se dire non à cette usine, parce que même si elle n'existait pas, on respire déjà quelque chose de pas sympa du tout non plus. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi se positionner par rapport à ce que l'on vit au quotidien, à ce que l'on ressent, et à ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Les allergies, ça touche tout le monde, de plus en plus de jeunes enfants. J'ai travaillé dans des centres de vacances et souvent, quand on faisait le service, la cuisinière avait une liste pas possible de jeunes enfants qui avaient des allergies pour ceci, pour cela, ou même une liste d'allergies pour un seul enfant. Ça devient une problématique réelle. Enfin, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'il y a, mais je pense que vous êtes au courant de tout ça et que vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal à travers ça et que on devrait simplement tous être là autant que nous sommes aujourd'hui. On devrait tous être en bonne santé simplement parce qu'on a une machine extraordinaire qui est notre corps, qui a des fonctions parfaites pour pour faire face à une agression. Or aujourd'hui, les agressions sont tellement nombreuses qu'il est complètement déstabilisé et perdu, et qu'il ne sait plus vers quoi se diriger pour arriver à lui seul à combattre tout ça. Donc c'est là où je veux aussi alerter, c'est que cette centrale à bitume, elle va avoir cet enjeu-là, cet impact-là sur notre santé, déjà d'une part parce que ça va agir directement sur nous, mais ça va agir aussi sur nous par rapport au fait qu'elle va se situer sur le plateau des Gras. Et que sous le plateau des Gras, et là on l'a découvert en faisant nos recherches, quand on a monté ce collectif, il y a une fantastique réserve d'eau naturelle qui est juste là sous nos pieds et qui va se jeter dans l'Ardèche. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont des géologues ou des spéléologues, enfin des professionnels qui nous ont donné des informations là-dessus. Et c'est juste extraordinaire de voir à quel point on empile les dégâts sur la nature et par rebondissement sur nous, et tout ça quelque part avec notre accord. Aujourd'hui on se mobilise pour dire stop, mais il est peut-être temps qu'on dise stop
que si on ne le fait pas, eh ben, moi, ce que je vois aujourd'hui, tu vois, Raphaël, Lou, tous ces petits bouts-là qui sont là, moi, je pense énormément à eux et j'ai très peur pour eux. Et en tant que maman, même si mes enfants maintenant sont grands, ben, j'ai envie de me battre pour eux parce qu'ils le méritent et que je ne veux pas de ce monde-là, celui que nous vivons aujourd'hui, je ne veux pas de ce monde-là. De toute manière, ça fait très longtemps que des personnes lancent des alertes, en parlent. Ça fait trop longtemps qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose à la ville Dieu qu'il faut qu'on oublie qu'il se passe encore des tas de choses partout ailleurs. Et que pour ça, il n'y a que la mobilisation, la nôtre, pas celle d'un clic sur Internet, pas celle d'une pétition parce qu'on se mobilise et qu'il y a des chiffres qui parlent. La seule mobilisation, la vraie, qui fera changer quelque chose, c'est celle qui est là aujourd'hui, parce que je te vois, parce que je vois, tu es mon égal, et je sais que tu veux la même chose que moi. Et ça, c'est important. Et tant qu'on sentira cette solidarité entre nous, eh ben, je pense que là, on peut faire basculer énormément de choses. J'y crois énormément. Bonjour Antoine. L'intervention, elle portera surtout sur la qualité de l'eau, parce que la qualité de l'eau, en fait, en Ardèche, c'est un potentiel et c'est aussi une assurance au bien vivre, je dirais, ardéchois. Moi, je ne suis pas ardéchois d'origine, j'ai voyagé un peu partout sur la planète, mais depuis 10 ans, je suis là. Et depuis 10 ans, si vous voulez, j'apprécie d'être là. Et autant on parlait du gaz de schiste tout à l'heure, aujourd'hui, on parle d'une centrale à bitume. Quand on dit non à la centrale à bitume, on dit non à quelque chose qui viendra impacter l'eau qui se trouve sous les quartiers de la zone industrielle, donc de la Villedieu, et qui la réserve en eau potable pour Vauguet, mais en même temps toutes les villes attenantes, parce que en fait toutes les villes qui viennent juste derrière et tous ces affluents de l'Ardèche sont impactés par, je dirais, le sous-sol. Si le sous-sol est sain, l'eau sera bonne. Si le sous-sol est pollué, s'il devient de plus en plus malsain, au-delà de ce que disait Carla tout à l'heure, la santé, bien sûr, on y va droit dedans. Ça veut dire qu'il va falloir investir encore une fois et investir encore une fois dans des moyens et des moyens que les communes n'ont pas, puisque décentralisation oblige depuis un paquet de temps. Elles n'auront pas les moyens de le faire, donc on aura une qualité de vie qui sera de plus en plus médiocre, pour dire mauvaise. Il faut savoir que Natura 2000, c'est pas d'histoire ancienne. En 2007 et en 2017, des commissions européennes, hein, ça représente quand même plus de 27 000, je dirais, sites européens, 1700 en France, dont celui du Sud-Ardèche, les Gras, qui démarrent là au-dessus, sur la Villedieu, mais qui vont jusqu'à Pont-Saint-Esprit, d'accord ? Ça va très très loin. Et toute cette zone-là, en fait, normalement, si un site industriel devait se réaliser, il y a un comité normalement qui se réunit pour voir l'impact. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, la DRIL bien sûr a été un peu saisie au niveau régional, mais si vous voulez, sur le plan de la commune, ce que je regrette, mais amèrement, c'est qu'on a aussi des moyens humains, techniques, mais vraiment de haut de gamme, pas loin, à Vauguet. Ça s'appelle l'Ardèche Claire, vous passez sur les ponts régulièrement, c'est marqué Ardèche Claire. C'est... Non, c'est pas une mafia, c'est surtout un groupe qui a pour mission de gérer l'Ardèche, tous ses affluents, et l'environnement, et les zones Natura 2000. Le fait est, c'est qu'ils n'ont pas été saisis. Eux, d'ailleurs, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit, mais Antoine, on est au courant de rien. Je suis allé voir les maires d'à côté, là, j'en ai vu certaines, voilà. Ils étaient au courant de rien. Personne n'a entendu parler de rien. Et ce qui se passe, c'est que visiblement, même dans notre propre commune, des gens n'étaient au courant de rien. Voilà. C'est le problème de la démocratie qui fuit. Vous voyez, c'est quand on a été aux élections il n'y a pas longtemps, il y a des programmes peut-être qui auraient pu sortir en nous disant, mais voilà, on va vous installer ça, mais ça, on ne nous a pas parlé. Ça ne passerait pas. Au-delà de la ville Dieu et des communes voisines, réinterroger, je dirais, la fabrication de bitume. Quel type de bitume pour demain ?
et puis quel type d'industrie et où, et pas n'importe où. Voilà. Il faut savoir qu'à Vauguet s'est tenu, il n'y a pas longtemps, en 2012, c'est pas vieux, hein. En 2012, il y a eu un colloque international, la question c'était gestion de l'eau, quelle nouvelle gouvernance pour demain ? Quelle nouvelle gouvernance pour demain ? Je peux vous assurer qu'il y avait des Américains qui étaient là, des Canadiens, des Européens, toute la France, au niveau des régions, d'accord ? Tout s'est passé là. Alors, des élus, sénateurs, députés, enfin, il y avait toute la, hein, tout le gratin du coin, et d'ailleurs. Et tout le monde était unanime là-dessus. Il fallait repenser la gestion de l'eau. Et aujourd'hui, avec la sécheresse, on en entend parler tous les jours aux informations. Et si nous, maintenant, on dit non au bitume, c'est parce qu'on veut préserver le peu d'eau qui pourrait rester pour au moins avoir une eau propre et saine pour vous tous et vous toutes, et tous ceux qui ne sont pas là, peut-être. Hein, parce qu'on fait ça aussi pour eux, même s'ils ne sont pas là. Mais c'est surtout aussi pour préserver une qualité de vie. D'accord ? On a à côté de chez nous, on nous parle du bio. Tout le monde nous parle du bio. D'accord ? Il y a des agriculteurs ici, ils sont mis au bio. Demain, si on met une centrale, ah ben c'est sûr, hein, il n'y aura plus besoin de glyphosate, hein, ça viendra du ciel. Entre les poussières et puis les gaz brûlés de la centrale, avec le vent, il arrosera. Et là, ce n'est pas la communauté commune qui va arrêter la frontière. Hein. Ça n'existe pas, ça, c'est comme Tchernobyl. Hein. Le vent, il souffle et ça ira là où ça ira. Donc ça impactera tout le monde. Donc les gens qui sont maraîchers, même chose, même problème. Vous voyez, ça a du sens dans la mesure où on est impacté dans l'avenir. Ce qui aurait été souhaitable, c'est que, vous voyez, en fin d'année, pour ceux qui sont là depuis pas mal d'années, comme moi maintenant 10 ans, on a des réunions de quartier. Voilà, vous avez le droit de parole, allez-y, dites ce que vous avez à dire. Mais moi j'aimerais qu'on le dise avant. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'on puisse en parler maintenant et qu'on dise qu'est-ce qu'on ne souhaite pas. Et qu'on puisse être entendu, simplement. Il ne s'agit pas de dire ça c'est une bonne personne, ça c'est une mauvaise personne, c'est pas ça du tout. C'est simplement, on aimerait être aussi dans la concertation par rapport à des décisions qui impactent tout un territoire. Voilà. Voilà, bon ben je vous remercie. Voilà. Également des experts, il y a des gens de haut niveau qui nous ont soutenus. Je voudrais simplement faire un petit extrait d'une personne qui n'est pas là parce qu'elle passe sa vie sous terre. Ce monsieur, il s'appelle Thierry Marchand. En fait, il a un doctorat en géomorphologie. Alors, c'est des études très poussées sur justement l'analyse des systèmes karstique, donc c'est un domaine d'expertise très important. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais il nous a fait un petit papier pour nous expliquer justement ce qu'il y avait là. Je vais vous en lire un petit extrait. Alors les karstes jurassiques ardéchois sont des surfaces calcaires profondément fracturées par les différents épisodes géologiques de la région, ce qui explique la quasi-infiltration instantanée des eaux de pluie et le cours temporaire de quelques ruisseaux, l'Ouïre aux hommes, qui ne coulent que lors d'épisodes orageux importants ou de périodes de pluie continue. Ils se perdent d'ailleurs souvent au contact de pertes au profit du karst profond comme le ruisseau du Bourdary au nord de Chabrol ou l'Ozon à l'est de Vauguet. Le karst présente un contexte géomorphologique particulier qui entraîne des conditions hydrogéologiques adaptées. Il n'existe aucun filtrage de l'eau dans un tel système karstique, ce qui veut dire que toute source de pollution est intégralement transmise à la source. Situation rapportée au karst de la Ville-Dieu. Le système hydrologique du Coiron occidental fonctionne ainsi. À l'ouest, des étendues calcaires plus ou moins marneuses sont faiblement karstifiées en surface, peu de cavités. Les écoulements de pluie se perdent en faveur du collecteur profond ou peuvent donner lieu à quelques sources temporaires sur la rive droite de l'Ardèche. La zone industrielle de la Ville-Dieu est implantée sur cette surface. Ça veut dire que concrètement, il y a des pertes. Toutes les eaux qui tombent là, ça descend directement dans les collecteurs et ça va direct à l'Ardèche. Il n'y a aucun système de filtrage. Le collecteur se dirige vers l'ouest et vient résurger aux évents du Pontet et des Estugnes à Vauguet,
tout en ayant récupéré les pertes de l'ozone. La plupart des explorations sont le fait du spéléoclub d'Aubena. Plusieurs traçages ont permis de cerner assez précisément le fonctionnement d'un des plus grands aquifères karstiques du département et donc une réserve non négligeable en cas de pénurie. Conséquences et risques sur le milieu karstique. L'Ardèche n'est pas un exemple en matière de protection du milieu karstique et il n'est pas rare, lors de nos recherches, de constater les sources de pollution. Les conséquences sont parfois directement visuelles sous terre. À l'époque, contacté par la préfecture, j'avais déjà exprimé de vives réserves quant à l'implantation d'une zone industrielle sur un espace karstique, ce qui ne me semble guère compatible avec la loi sur l'eau édictée depuis le début du XXe siècle. Mais quand il s'agit d'enjeux commerciaux et d'emploi, le milieu naturel a plus de mal à se faire entendre. Pourtant, le karst jurassique ardéchois présente un milieu unique tant sur le plan naturel qu'humain. L'implantation de ce type d'équipement engendre donc un risque supplémentaire pour l'environnement karstique déjà fortement impacté et en partie défiguré. Le réchauffement climatique va rendre les ressources aquifères karstiques de plus en plus précieuses, comme le prouve la récente recherche du département à laquelle nous avons participé, surtout dans un département qui pratique le tourisme de masse à une période où la ressource en eau est la plus critique. La démarche devrait donc être de privilégier cette ressource et non de l'exposer à de tels risques. Voilà. Merci pour lui. Ensuite, elle subit une forte opposition. Enfin, elle apparaît comme ayant toujours été une évidence. Ce soir, les élus de la ville de Dieu seraient bien inspirés de passer directement à la troisième étape, car c'est une évidence qu'il faut dire non à cette centrale à goudron. Roulement de tambour. Attendez, donc 15 avis favorables, 2 contre et 2 abstentions. Secret, il y a quand même eu 15 pour. Ouais, là, par contre, je suis choquée par ça. Ouais, c'est fou, j'aurais pensé justement que le bulletin secret. Il y en a qui veulent sortir.
Attentivement, la lettre aux élus qu'on a faite, c'est pas du pipeau, on n'est pas des aboyeurs, on n'est pas des gens qui cherchons le scandale pour le scandale. Simplement, c'est qu'on est très 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 inquiet, et vous, en tant que représentant des citoyens, vous devez l'être pour nous aussi. Parce que c'est vous, c'est votre temps. Est-ce que vous croyez, quand il y a du Brizol, quand vous voyez toutes les entreprises qui explosent aujourd'hui, ils nous ont tous promis. La SATP, c'est elle qui a la carrière, d'accord? Je vous invite à aller voir le projet de la carrière. Il ne devait y avoir aucune poussière, ou pratiquement pas, parce qu'il devait mettre en place des systèmes qui permettaient l'absence de poussière. Aujourd'hui, allez-y, n'importe quand, la poussière va le retomber partout. Elle est en train de tuer tout ce monde. Voilà, je vous invite juste ça, et je vous remercie. Mais là, on a deux heures. Hein. Donc c'est pas bien loin. C'est uniquement parce qu'en ce moment, ils sont en train de se séparer, et que pour des enjeux de gros sous, uniquement que SATP décide de faire sa propre centrale pour essayer de vendre son propre goudron, pour conférencer celui qui a vendu, Cosil a vendu à l'autre. C'est uniquement pour ça. C'est uniquement une question de. La dernière chose, avant de vous aller partir, mais la dernière chose que moi je pense, comment on peut faire confiance à une société qui va faire ses propres contrôles? C'est elle qui va faire ses propres contrôles.